Tu es le Dieu, Dieu d'Abraham. Je te célèbre pour ta victoire. Tu es le Dieu, oh le Dieu d'Abraham. Oui, je te célèbre pour ta victoire. Oh, tu es le Dieu, oh, le Dieu d'Abraham. Oui, je te célèbre pour ta victoire. Oh, je te soulève, je te soulève, je te soulève, je te soulève, tu es mon roi, je te soulève pour ta victoire. Bien-aimé, ce matin, tu vas prier encore. Et tu vas demander à l'Éternel Dieu des armées en ce matin de te remplir maintenant des armes spirituelles. Bien-aimé, prie le Seigneur. Dimensionnant et fidèle. Oui, Père éternel, mon Dieu, moi. La parole se déclare dans le livre de l'Éternel, que Seigneur, mon Dieu, dans le livre du verset 12, que nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, papa, mais nous avons à lutter contre les dénominations, contre les principautés, contre le monde. Oh Seigneur, mon Dieu, occupe le monde des esprits méchants. Éternel, mon Dieu, dans les lieux célestes. C'est pourquoi tu as dit par Jésus, vous de tout sens âme spirituelle. Éternel, mon Dieu, je suis roi de gloire, Seigneur. Je me réveille, dis Seigneur, mon Dieu, du calme, du chalion ce matin. Jésus de Nazareth, je me réveille, éternel, mon Dieu, me rappelle de la cuirasse de justice. Je mets la ceinture de vérité. Je porte la chaussure de l'évangile, éternel, mon Dieu. Papa, je saisis. Seigneur, je mets, je prends le casque, le casque. Seigneur, mon Dieu, me roi, le bouclier de la foi. Et je saisis l'épée de l'esprit maintenant. Éternel, mon Dieu, mon roi, ô Père éternel, Dieu tout-puissant, ma de la robe de sainteté, nous faisons les délivrances, lorsque nous sommes allés dans les évangélisations, nous voyons que les hommes écoutent la parole beaucoup. Oui, les femmes écoutent la parole. Oui, beaucoup sont prêts à se donner à Jésus. Mais nous voyons que l'ennemi qui continue bien aimé dans la vie de certaines personnes pour remuer sa queue. On va dire à l'Éternel, la Bible déclare comme ça dans le livre de Matthieu qu'il y a un semeur qui est sorti matin pour aller semer. Et pendant qu'il semait, le long du chemin, il y a eu des semences qui sont tombées là-bas. Bien aimé, il y a des semences qui sont tombées dans les endroits pierreux. Il y a des semences qui sont tombées dans des cailloux et dans des épines. Bien aimé, il y a des semences aussi qui sont tombées dans de bonnes terres et elles ont produit. Mais certes, les semences qui sont tombées le long du chemin, lorsqu'elles ont commencé à grandir, automatiquement, les oiseaux sont venus et ils ont pris les semences. Bien aimé, c'est quoi? Regardez, ça veut dire quoi? Lorsque la parole de Dieu est prêchée dans le cœur des gens, les gens reçoivent la parole de Dieu avec joie, mais l'ennemi vient enlever. Bien aimé, cette parole. C'est pourquoi ce matin, on va prier pour détruire maintenant toute opposition à la parole de la sainte doctrine, toute opposition à la sainte doctrine dans la vie des âmes de Sakassou. Prions le Seigneur, détruisons tout au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, ce matin, roi de gloire, Seigneur, je prends autorité, Seigneur, selon le livre de Luc 10, verset 19. Éternel, mon Dieu, mon roi, si tout le pouvoir que Père Dieu t'a donné, éternel, mon Dieu, mon roi, je me lève en ce matin, Seigneur, mon Dieu, mon roi, je ne opposition éternelle, mon Dieu, mon roi, à la parole de la sainte doctrine, contre toute opposition à la parole de la sainte doctrine, je me lève en ce matin, je me lève en ce matin, éternel, la sainte doctrine qui est prêchée, éternel, mon Dieu, mon roi, Père, que tes enfants, éternel, mon Dieu, oh Père éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, Jésus, papa, je vais suivre, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, pour avoir le salut, pour avoir la éternel, mon Dieu, mon roi, lorsque la parole est prêchée, Seigneur,
les premières évangélisations, Seigneur, les gens qui sont venus, les villages, Seigneur, les villageois qui ont écouté la parole, Seigneur, plusieurs éternels ont été touchés. Éternel mon Dieu, mais accorde l'ennemi, éternel vient pour moi casser, l'ennemi vient pour faire des choses, éternel mon Dieu, papa, dans la vie de ses enfants, dans la vie de ses hommes, dans la vie de ses femmes, qui ont besoin d'être transformés, qui ont besoin d'être changés, éternel mon Dieu, moi, Seigneur, nous te prions, Dieu, tu es le Dieu de l'opposition, Jésus, tu es la capacité. Regardez encore, le Seigneur donnait encore une parabole qui disait que pendant la nuit, il y a un monsieur qui avait semé. Bien aimé, il a mis des semences. Je peux prendre l'exemple de peut-être du riz comme ça. Et puis, il va se trouver que la nuit, il y a une autre personne qui va venir encore semer encore d'autres semences, mais qui était appelée l'ivraie. Alléluia. Amen. Et bien aimé, quand les deux semences ont commencé à pousser, on voit que ça, c'est du riz. On voit que l'autre aussi, quand on voit là, il ressemble à du riz, mais ce n'est pas du riz. Bien aimé, les serviteurs ont demandé, mais ça là, quand c'est comme ça là, maître, on doit enlever en même temps. Il dit non, laissez. Au temps de la moisson là, où on va couper les riz là, on va enlever ça, et puis on va enlever le bon riz, et puis le mauvais là, on va bouger ça. Parce que ne faites pas que au moment où vous voulez aller enlever ce qui est mauvais là, lui il va se coller au bon. Donc en voulant enlever les deux, en voulant enlever ce qui est mauvais, le bon peut être collé et puis va tomber. Alléluia. Ça veut dire quoi? On voit qu'aujourd'hui, on est en train de parler de la sainte doctrine à Sakassou ici. Les âmes sont convaincues. Les gens sont convaincus. Mais c'est en ce moment aussi que d'autres personnes sont en train de faire certains programmes. C'est en ce moment aussi que l'ennemi est en train de passer par certaines personnes, certaines dénominations, pour faire des programmes de miracles et autres. Alléluia. Pour faire quoi? C'est pour faire quoi? C'est pour détourner l'attention des enfants de Dieu sur la sainte doctrine. Bien aimé, c'est pourquoi le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous allons les paralyser maintenant. Nous allons détruire tous ces scorpions, tous ces serpents, tous ces dinosaures, tous ces pitons. On va les paralyser ce matin dans la vie des enfants de Dieu de Sakassou. Prions au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, Père, nous prions ce matin. Roi de gloire, Père Dieu, tout puissant. Papa, contre tout ce qui est de livret, la sémence 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 de livret. Papa, lorsque tes enfants sont en train d'écouter le message de la sainte doctrine, l'ennemi vient pour s'aimer livrer. Il vient pour s'aimer livrer. Il vient pour dire, Seigneur, les grandes vérités. Il vient pour dire des paroles, Seigneur, qui ne sont pas à la gloire de ton nom. Et bien, mon Dieu, nous prions, roi de gloire, Seigneur, de renverser éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, toutes ces masses livrées, tout hôtel de mal. Éternel, mon Dieu, c'est dans le cœur de tes enfants. Mauvaises semences. Tout ce qui est livré. Je remercie éternel mon Dieu, mon roi, toutes ces pratiques maléfiques, éternel mon Dieu, papa de l'ennemi, tout ce que l'ennemi, Seigneur mon Dieu, mon roi, éternel mon Dieu, je lève vous comme éternel mon Dieu, nous détruisons ces œufs, mais c'est mort de l'ennemi, nous ne l'avons pas allé, éternel mon Dieu, Jésus, fais grâce, gloire à Jésus. Amen. Bien aimé, la parole de Dieu déclare dans le livre de Matthieu, chapitre 4, à partir du verset 1. Bien aimé, la parole de Dieu dit que l'Esprit a amené Jésus dans le désert pour aller jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. Alléluia. Amen. Et après qu'il lui fait, il y a eu le tentateur qui s'est approché de lui et il est venu lui faire des propositions. Il a dit, si tu dis que tu es réellement fils de Dieu, là, ben, ordonne que ces pierres-là deviennent du pain. Bien aimé, le Seigneur a répondu une parole. Il dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé, en ce matin, ça veut dire quoi? C'est par la parole de Dieu que l'homme peut vivre. Alléluia. C'est par la parole de Dieu qu'on peut tout faire. Amen. C'est pourquoi Josué 1, verset 8 dit, que ce livre de la loi ne soit point de ta bouche. Médite le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans tes projets, dans tes entreprises, dans tout ce que tu feras. C'est par la parole de Dieu que tu vas réussir en méditant. Bien aimé, nous avons vu qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu ne médite pas.
pas la parole de Dieu. Ils sont beaucoup plus focalisés sur les miracles. Au lieu de lire la parole, au lieu de méditer la Bible, pour voir ce qui se passe dedans, le peuple vraiment était en train de courir à gauche, à droite, bien aimé, derrière des miracles. Alors on va dire à Dieu que le peuple de Sakassou, de Jésus revient international. On va dire à Dieu vraiment que la parole soit en eux, qu'ils aient la parole, qu'ils aiment la parole. Prions le Seigneur. Éternel, bon Dieu, mon roi, papa, je recommande tes enfants de Sakassou en demain. Je prie, roi, les gloires, Seigneur, Père. Je tombe ta main, éternel, mon Dieu, mon roi, papa, dans leur vie. De permettre que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, oui, tes enfants, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, puissent aimer ta parole. Sème la parole dans le cœur de tes enfants. Notamment, il y en a qui encore hésitent. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous allons dire à l'Éternel d'envoyer des hommes aussi parmi ce peuple-là. Que Dieu envoie beaucoup d'hommes, qu'il envoie assez de personnes. Bien aimé, parmi ce peuple de Sakassou, tout ce que Jésus a résolu sauver dans ce village, dans cette ville-là, que vraiment le Seigneur, de par déjà même cette cellule-là, que le Saint-Esprit commence par se manifester et commence par les toucher partout où ils sont. Oh, prions le Seigneur au nom de Jésus. Oh, Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus. Nous te prions, roi, les gloires, Père, que tu puisses toucher cette personne. Et que, Seigneur, ton feu, Seigneur, touche le cœur de tes enfants. Éternel, mon Dieu, mon roi, ceux-là même, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tu as résolu, tu as sauvé. Seigneur, Nous te prions, Père éternel, mon Dieu, de te manifester puissamment au nom de Jésus. Amen, amen, amen. On va prier le Seigneur encore et on va dire à l'Éternel des armées. Oui, bien aimé, on voit que c'est le dépouillement là. Le dépouillement. C'est ça, il y a des gens même qui n'arrivent pas vraiment à faire. Alléluia. Amen. Or, le Seigneur aussi dit notre corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Si tu veux aller au ciel, il faut accepter de te dépouiller. Amen. Alléluia. Amen. On va prier pour Dieu au Seigneur. Vraiment, de donner le courage à ses enfants. De leur donner le courage d'enlever ces vêtements étrangers. Bien aimé, qui n'est pas la gloire de Dieu et les anneaux. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Père éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, nous te prions, roi des gloires, Seigneur. Papa, c'est toi qui convainc les cœurs. Nous te prions, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, de toucher tes enfants. 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 Enlevez, Seigneur, mon Dieu, tout ce qui n'est pas ta gloire. Éternel, mon Dieu, les anneaux, Seigneur, les vêtements étrangers. Les dieux étrangers. Éternel, mon Dieu, mon roi, fais ça dans le lieu. Nous te prions, Papa, Père, de manifester ton nom, de glorifier ton nom parce que tu es vivant, d'intervenir.